Juan Antonio Bimang, le ministre équato-guinéen de la Sécurité, a été reçu ce jour en audience par le président centrafricain, le professeur Faustin Akanj Touadéra. À 13h, il était porteur d'un pli fermé. 45 minutes plus tard, c'était le tour du chef de la délégation de l'Union européenne, Samuela Hisopi. Cette fois-ci, donc, on a profité, après le retour du président du sommet de l'Union africaine, dans lequel il a rencontré une délégation aussi européenne pour faire un peu le point sur les différentes activités et initiatives qui sont prévues. La série des audiences s'est poursuivie avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Bangui, puis du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. Quel message que je peux transmettre à Washington et aussi l'état de notre relation avant mon départ pour alimenter mes discussions à Washington et aussi à AFRICOM à Stuttgart. Le renforcement des liens se consolide donc un peu plus avec des partenaires internationaux.